Livre audio guide de femme, développement personnel. Avant-propos. Ce livre a été publié pour toutes les femmes qui voient dans l'art de l'esthétique corporelle, un moyen d'utiliser leur temps rentable. Et comme la figure féminine, et son estime de soi sont les facteurs, les plus liés à la santé mentale, développement, épanouissement personnel et bonheur, il comporte plusieurs chapitres qui illustrent, définissent et expliquent de nombreux concepts et procédures nécessaires pour travailler au sein d'une clinique d'esthétique, voire pour la gérer comme une entreprise à part. Inspiré par différentes idéologies de la psychologie qui ont mis l'accent sur les habitudes, comme principale prémisse d'établir des changements dans les routines tendant à améliorer les divers facteurs de la personnalité féminine, cet argument propose de servir de guide à la femme actuelle, qui est informée des dernières tendances. Le chapitre 2 traite de la nutrition dans ses 9. Sous-titre reproduit le plan de régime méticuleux 12 régimes de plénitude. Entre autres options, vous pouvez déterminer l'indice de masse corporelle, et apprendre à inclure tous les nutriments nécessaires pour une vie potentiellement saine avec des recettes détaillées. Dans certains de ces chapitres, vous trouverez également un test remplir avec les instructions pour rétablir votre niveau de réussite dans les habitudes que vous êtes habitué. Ensuite, dans le troisième chapitre, nous verrons comment la terminologie de protocole est différenciée et étiquette, ses origines historiques et son évolution jusqu'à nos jours où le postmodernisme introduit règles ou règles subconscientes dans les membres de la société sur la façon dont nous devrions nous comporter avec les autres étrangers cultures, parmi beaucoup d'autres astuces vestimentaires pour dames et messieurs. Étiquette coutume sur la table, sont un autre sujet intéressant, que nous avons voulu présenter de manière exhaustive dans cette section. Nous poursuivons avec le chapitre 4 où nous abordons l'origine et la théorie de l'esthétique à partir d'anciens Grèce, et comparer-la avec les réflexions contemporaines. Cosmétologie est le titre du cinquième chapitre décrit les protocoles avec les étapes détaillées d'un massage pour les inconforts spécifiques de la peau de votre visage et présente le type de peau. Nous trouvons également ici une brève introduction à la cosmétologie. Les cheveux, leurs soins et leur épilation spécialisée, sont un autre chapitre de ce sujet que nous développons à partir du caractéristique des poils, critères de sélection de la technique d'épilation, classe de technique et bien sûr, leur protocole lors de la procédure pour les appliquer. Un autre des sujets que nous n'avons pas laissé de côté de ce livre, est l'anatomie couvrant 4 des systèmes et appareils du corps plus directement associés aux traitements et des thérapies esthétiques disponibles pour les cabinets de beauté. Nous avons également inclus une vaste liste de définitions de les maladies associées au système reproducteur et sexuel des femmes et des hommes. Ensuite, nous traitons de manière approfondie avec 9 des traitements du corps, les plus utilisés dans les cliniques par des esthéticiennes qui vont également nous avertir quand ils sont applicables aux patients et à ceux qui sont contre-indiqués. Dans le dernier chapitre de notre travail intitulé Spa et clinique esthétique, nous définissons son concept, ses types et soulignons les avantages pour la santé. Cela peut être obtenu à partir de divers types de thérapies combinant des techniques naturelles et millénaires. Et nous verrons comment l'esthétique aide également les gens dans les cas plus graves de traumatisme facial subi par certaines personnes, et accidents qui défigurent notre visage avec des méthodes scientifiques plus invasives. Avec ce guide pour les femmes, la bibliographie disponible sur Internet sur les techniques et les protocoles de plus acceptés à l'heure actuelle, a été mise à jour avec ce manuel qui ne laisse rien en suspens car tous les sujets et sous-thèmes qui compléteront tous les doutes qui ont été inclus et sont liés à ce domaine afin recommandé de nos jours. Ce sera un plaisir pour vous tous de partager l'esthétique la plus importante et donner sur la beauté que j'ai pu compiler pour ce manuel ou ce guide jusqu'à présent, que même s'il continue d'être mis à jour, nous espérons que vous ne serez pas oublié, et que vous pourrez tirer parti de ces connaissances pour votre métier, votre famille et votre bien-être personnel. L'auteur.